Mon PC est-il compatible? mon PC est-il compatible? Ouais, ok. Microsoft a publié la configuration nécessaire pour Windows 11 et propose également une application pour pouvoir répondre vous-même à cette question, est-ce que mon PC est compatible? En gros, il s'agit d'une liste de critères à cocher qui va de composants éligibles à des fonctionnalités logicielles à activer. Dans l'ensemble, si vos composants et votre PC datent d'il y a 2-3 années avec des composants donc plutôt récents, il ne devrait pas y avoir de problème. TPM, qu'on peut traduire par module de plateforme sécurisée, est une technologie donc de sécurité liée au matériel informatique. Concrètement, il s'agit d'une puce informatique qu'on peut retrouver dans les cartes mères et dont Windows va se servir pour ses fonctionnalités de sécurité, comme par exemple l'authentification, l'accès à votre PC ou encore le démarrage sécurisé, le Secure Boot. Vous pouvez faire vous-même la vérification, simplement appuyez simultanément sur la touche Windows R, vous tapez tpm.msc dans l'invité de commande, vous arrivez ensuite à une fenêtre. Si les informations fabricant indiquent module de plateforme TPM 2.0, c'est que vous êtes paré. Si jamais ce n'est pas le cas, tout n'est pas encore perdu. Il vous suffit alors soit de nous contacter, soit de rechercher dans le manuel de votre carte mère, soit directement sur le site constructeur des cartes mères. L'activation de TPM, c'est une manipulation plutôt facile et rapide à faire, qui, selon le modèle de votre carte mère, que vous soyez sur chipset Intel ou AMD, et selon la marque, peut légèrement varier. On vous conseille d'aller voir directement sur le site des constructeurs, qui ont mis en place des pages tutorielles indiquant étape par étape comment faire ces manipulations dans le BIOS, selon le modèle de votre carte mère. Oui, vous pouvez continuer à utiliser Windows 10, la mise à niveau vers Windows 11 n'est pas obligatoire. Microsoft a indiqué qu'il continuerait le support, notamment sur les mises à jour de sécurité de Windows 10, jusqu'au 14 octobre 2025. La mise à niveau vers Windows 11 est gratuite si vous disposez d'une licence Windows 10 valide. La mise à jour, elle, se fait via Windows Update, dont le déploiement se fera au fur et à mesure courant octobre sur les PC éligibles.